Nous vivons quelque chose qui se répète tout le temps de la même manière et que nonchalamment nous sommes dans le devoir de faire des choses qui doivent être faites et tout se joue ainsi de manière répétitive et on ne se pose pas trop de questions pourvu qu'on puisse avoir un peu de répit à toute cette activité. Le plus de répit qu'on peut avoir, c'est-à-dire le plus de privilèges, le plus de distractions qu'on peut avoir, sera bien. Mais est-ce que la vie, c'est ça ? Je voulais te demander, parce que j'aimerais bien que tu réfléchisses avec moi, est-ce que cette vie, c'est de pouvoir répéter tout le temps les mêmes choses et de ne pas faire en sorte que rien d'autre ne vienne déranger cette habitude que tu as eue de répéter? Parce que peut-être dans cette répétition, tu trouves un certain confort, une certaine sécurité. Et il semblerait que tous nous faisons ça, nous nonchalamment, nous allons à nos activités et puis en même temps, on cherche quelque chose pour se distraire de cette activité morose. Nous cherchons du plaisir, quelque chose qui va donner un répit à tout ça. Parce que c'est monotone, ça n'a aucun sens, aucune joie. Toujours mécanique. Nous sommes devenus des robots qui agissons dans un monde robotique, qui te demande d'être ce que le robot doit faire pour pouvoir faire exister ce monde. Donc nous vivons dans ces habitudes. La morosité nous mine. Et toute cette étendue d'action fait que tu te retrouves dans un état lamentable, parce que tu commences à croire que c'est ça, vivre. On t'a dit que c'est comme ça. Tu rentres dans ce monde et tout le monde explique à tout le monde que c'est comme ça. Donc tout le monde vaque à son occupation de pouvoir s'en sortir. C'est, on voudrait que ce marais-là puisse nous donner la faculté de pouvoir garder le nez hors de l'eau. C'est ce que nous faisons. Nous voulons réussir, nous voulons quelque chose quoi, qui ne va pas nous enterrer en fait. Nous cherchons dans toute cette activité une manière de s'en sortir, de sortir de toute la difficulté qu'il y a d'être joyeux. Parce que tout cela, tout ce que nous faisons tous les jours, ne nous emmène pas à la joie de vivre. C'est la répétition, la monotonie. Et on t'a expliqué que c'est comme ça. Ça, c'est ta vie. Tu dois te battre, tout le temps te battre, pour pouvoir arriver quelque part. Et un jour, tu arrives quelque part, tu arrives à la tombe. Et tu t'aperçois que tu n'as rien vécu. Tu as dû juste subir tout ce que tu as fait pour pouvoir vivre. Et cette vie que tu as eue, elle est éphémère. Parce que tout ce que tu as pu récupérer, c'est un peu de répit. Un peu de répit à toute cette souffrance que l'on a. La souffrance de ne pas être libre, la souffrance d'être oppressé, d'être opprimé. La souffrance que la vie soit devenue un devoir. Nous vivons pour la plupart dans le devoir de faire des choses pour que tout le monde puisse continuer à exister comme ça. On te somme d'être celui qui fait continuer les choses de cette manière-là. Donc tout ce que tu vas faire, ce sont des réactions déjà programmées puisque on t'a sommé, on t'a demandé. La propagande t'a envahi et t'a infiltré
Tu es programmé pour faire ça. Et tout ça, ça se programme par la peur. La peur que tout le petit privilège que tu as pu avoir te soit enlevé. Donc tu veux garder tes privilèges. Et pour pouvoir avoir ces privilèges, il faut que tu continues pareil. Tu vas travailler, tu vas réussir, tu vas arriver quelque part, tu as un but. Et tout ça, c'est la vie que tu as. Nonchalamment, tu perpétues cette vie misérable, monotone, où il y a beaucoup de souffrance, la souffrance de ne pas être joyeux, la souffrance de ne pas être soi, puisque tu es devenu quelqu'un. À travers tout ce que tu as fait, tu as pu devenir ce que le monde attend de toi. Tout ça n'a pas de sens. Tu le sais très bien. Je ne suis pas en train de te raconter une tempête. C'est quelque chose qu'on le sait tous au fond de nous. Ça n'a pas de sens. On le sait tous. On se le dit d'ailleurs. Tu peux rien emmener avec toi quand tu meurs. On se le dit ça. Le matériel n'est pas important, dit-on. On se le dit, on le sait. L'argent ne te donnera pas le bonheur. Combien de fois as-tu entendu parler de ça dans notre monde? On a même dit que l'amour est gratuit. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont des conceptualisations de comment la vie devrait être. Mais toi, tu es dans ton petit bain et tu ne voudrais pas sortir de cette zone de confort que tu t'es mis dedans. Parce que là-dedans, c'est aimer, mais à condition que. C'est avoir des possessions. C'est garder les choses qu'on aime pour pouvoir perpétuer ce sentiment de bien-être, ce sentiment de sécurité qu'on a trouvé. Mais tout ça, tu vois, c'est ça qui est éphémère. Et c'est ça que tu as envie de poursuivre malgré tout, malgré que tu souffres. Tu vas vouloir garder tout ça. Et plus tu gardes tout ça, plus tu vis misérablement. Ta vie est médiocre parce que tu n'es pas un homme libre. Tu es dépendant des choses qui vont te donner un peu de gaieté à cette vie morose que tu as entamée. Donc tu voudrais toujours garder la tête hors de l'eau pour faire en sorte que tu puisses respirer. Mais en fait, quand tu respires, tu as tout le reste encore dans quelque chose de nauséabonde. En fait, tu ne vis pas la vie. Tu subis. Tu subis et tu voudrais faire en sorte que ce que tu as gagné, c'est-à-dire cette illusion d'être bien, puisse être gardée. Donc, tout se perpétue de la même manière. On a la tête hors de l'eau, mais on a les pieds dans la fosse septique. Et en fait, la vie se perpétue de cette manière. Où l'homme vit une vie sans qu'il y ait quelque chose qui puisse le sortir de ce marasme. Il y a des batailles, des guerres, des disputes, les avis contraires. Moi j'ai raison, toi tu n'as pas raison. Et nous vivons dans un monde de rivalité, de dualité, de mensonge, puisqu'on se ment à soi-même, tout un chacun, pour pouvoir faire croire que tout va bien. On te dit, on va faire une petite guerre pour avoir la paix, hein. On te dit ça. Écoute bien, tu verras, les politiques te disent ça. On va faire la guerre pour avoir la paix. Mais tu sais très bien, au fond de toi, si tu es assez vif d'esprit, tu sais très bien que la guerre ne peut pas amener la paix. Ce sera toujours la guerre. Parce que la guerre apporte la guerre. C'est seulement la paix qui apporte la paix. C'est quand tu es en paix, quand tu ne veux plus rien, quand tu décides de sortir de ce mouvement dans lequel
tu t'es empêtré. Et pour sortir de ce mouvement dans lequel tu t'es empêtré, il te faut être libre de ça. Il faut que tu trouves le moyen de voir au-dessus de la mêlée, de voir ce qui se passe, de voir que tu as les pieds dans la fosse septique et que tu bouches le nez pour pouvoir continuer. Voilà notre situation. C'est un fait. Je ne raconte pas une tempête. C'est comme ça. Le monde vit comme ça. Mais on ne veut pas se le dire. Parce que si tu te le dis à toi-même, ça voudrait dire qu'il faut que tu changes. Il faut que tu sortes de là. Et pour sortir de là, il faut que tu abandonnes tous tes péchés mignons, tout ce que tu as pu acquérir pour pouvoir vivre dans ta zone de confort. Parce que cette zone de confort, c'est qu'elle est belle, cette zone de confort, mais il faut que tu bouches le nez pour pouvoir vivre d'une manière assez, assez potable. C'est-à-dire, tu as toute la richesse du monde, mais tu es malheureux. Tu as tout. En fait, beaucoup d'entre nous ont tout. On pourrait croire que tout va bien. On pourrait se dire, mais en fait, là, c'est quelque chose de formidable. Puisque j'ai l'argent, j'ai ma maison, ma femme, mes enfants, j'ai tout ce que j'ai pu avoir, tous les privilèges, tous mes péchés mignons. Mais quelque chose ne va pas. Je ne suis pas libre. Je suis emprisonné par tout ce que je me suis donné d'avoir pour pouvoir être dans cette situation-là. La situation dans laquelle tu es, c'est une situation qui n'est pas la tienne en fait. Tu t'es donné une situation, tu t'es donné une vie, mais cette vie, c'est pas à toi. Ce que tu es est bien plus beau. La vie que tu as, c'est celle où tu es libre, libéré de toutes les attaches que tu te donnes d'avoir. Toutes ces contraintes, ces devoirs que tu dois faire pour pouvoir être acceptable aux yeux du monde. Parce que le monde conforme te demande d'être comme tu dois être. Et en fait, on te somme de réagir de certaines manières conformes qui est entrée dans les mœurs. Tu le fais systématiquement. Des réactions compulsives, quoi. Des réactions réflexes qui sont faites sans réfléchir. Pour pouvoir rester dans cette zone de confort, tu fais comme ça. Parce que là, dans cette zone de confort, il n'y a pas la présence de soi. Tu n'es pas présent là-dedans. C'est juste une machine qui se joue là, comme ça, mais tu n'es pas là. Les choses arrivent. Et puis, quand tu regardes, tu es impacté. Et tu trouves que le monde est méchant. Tu trouves que les choses ne vont pas à ton goût. Tu subis trop les choses. C'est parce que tu es absent. Parce que tu n'as pas été là, présent, pour voir ce qui se passe. Tu vois, la vie qu'on mène, elle est comme ça. Elle est quelque chose qu'on fait systématiquement et qu'on répète tout le temps de la même manière. Et tout ce qui arrive nous impacte. Et on cherche quelqu'un pour accuser. On ne veut pas le reconnaître que nous-mêmes avons fait ça. Donc on cherche quelqu'un. Quelqu'un qui va nous sauver, quelqu'un qui va nous donner une directive, comment faire pour garder tous mes privilèges. Donc on crée un gouvernement, on crée toute une société avec des philosophes, des gens qui vont te dire comment tu dois faire pour pouvoir continuer à rester dans cette position de confort où tu ne subis pas la vie. Tu veux juste aménager ta vie pour qu'elle soit confortable. Tu es de l'argent, tu es tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre en dehors des embêtements qui arrivent.
Parce que tout ce que tu as, en fait, va être dérangé. Tu fais comme ça toute ta vie, mais toute ta vie, tu es dérangé. Parce que tout le confort que tu veux avoir, il s'effrite d'instant en instant. Parce que ce que tu as construit comme étant ton confort, c'est-à-dire cette illusion d'être en sécurité, elle est tout le temps en train d'être détruite. Elle est détruite par quoi? Par la réalité. La réalité, c'est que tout ce que tu as fait est faux. C'est pas vrai. Ben, rien de vrai. Tu as pu concevoir une vie comme ça, et c'est fausse, une fausse vie. Ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'il y a. Donc tu as fabriqué quelque chose pour pouvoir t'identifier avec, parce que tu t'es identifié avec l'image de la vie agréable, idéale, et cette image, c'est ce que tu prônes. Tu montres au monde qui tu es. Tu proposes, tu imposes, tu joues un rôle et tu montres à l'autre là-bas que tu es quelqu'un. Et tu deviens même arrogant. On est tous embarqués par ce genre de vie. Parce que nous avons accepté de vivre médiocrement. Nous ne réfléchissons plus. Nous sommes inertes dans nos petites vies misérables qui se répètent tout le temps de la même manière, où tout le monde croit que tout va bien. Et tout le monde fait croire à tout le monde que tout va bien. Et tout le monde dit, ça va, oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais en fait, on va mal au fond. Et on ne veut pas se voir comme ça. On ne veut pas se regarder comme ça. On veut seulement montrer tout le temps quelque chose qui est faussé. Donc, tout ce que tu montres au monde, ta bonne foi d'être bien, quoi, ben c'est un mensonge. Parce qu'au fond, il y a tout un embrouille. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? C'est que tu es dans le désarroi, dans l'angoisse. L'angoisse que quelque chose va t'envahir. Quelque chose va supprimer ta sécurité. Et tu es tout le temps dans la méfiance. Tu t'isoles dans ta zone individuelle. C'est ce petit confort individualiste. L'individualisme. Ça veut dire, c'est là où tu te mets pour être isolé de tout le reste du monde. Et où tu crois que tout va bien. Et où tu te fais croire que tout va bien. Tu es dans le leurre. C'est une illusion. On s'illusionne beaucoup dans ce monde. On rêve beaucoup. On croit à quelque chose qui viendra, mais qui n'est pas là. Il faut le croire. Donc tu fabriques une vie qui n'existe pas. Et c'est sur celle-là que tu te bases. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu vis dans une vie qui se répète et tu te l'es caché. Tu as caché cette vie sous le tapis pour ne pas la voir parce qu'elle est désagréable. Mais tu veux d'une vie qui devrait avoir et en fait tu vis dans le leurre. Et tu commences à croire à cette illusion. Qu'il y a quelqu'un qui va me sauver. Un jour, je serai heureux. Il y a quelqu'un qui fera quelque chose. Donc, tu commences à avoir confiance à une agence extérieure à ta peau. À l'intérieur de ta peau, tout se passe. L'enjeu est là. Mais toi, tu vas à l'extérieur de ta peau en pensant que si quelque chose arrive là-bas, je serai heureux ici, je serai bien. Donc la tendance de la plupart d'entre nous, c'est de faire en sorte que les choses autour de nous se passent bien.
que ma petite femme m'aime bien, mon enfant soit bien dans son école, il est en haut, il va dans les plus belles écoles, et puis que je puisse avoir toute la richesse, tous mes privilèges, que ça, je puisse les garder. Et quand tu as tout ça, tu te fais croire que tu es arrivé quelque part. Jusqu'à ce que tu réalises que c'est un leurre. Est-ce que tu as réalisé que tout ça c'est un leurre? Est-ce que tu es prêt à regarder tout ça comme c'est? Pas essayer de fuir ça, juste voir le leurre que tu te donnes de vivre. Est-ce que tu es assez sincère avec toi-même pour ne pas esquiver la réalité de la vie en face? Parce que si tu fuis ça, tu ne sauras jamais ce que tu es en train de vivre. Tu vas croire que c'est normal. Mais le fait de le voir, de le regarder, de l'accepter, d'accepter que c'est comme ça que ça se passe, et de ne rien faire pour faire en sorte que tu cesses de voir ce qui est inacceptable. Juste accepter. Et bien le fait d'accepter te fait te sortir de cette fosse sceptique. Et tu vois la vie d'une autre manière. Parce que tu acceptes la réalité. Tu ne te fais plus leurrer. Tu ne te racontes pas d'histoire. Tu t'en fous des promesses, des politiciens, des gens autour de toi, de ta femme, de ton ami, de ton enfant qui te promet qu'ils te donneront le plus beau cadeau du monde. Tu n'as besoin de rien. Est-ce que tu peux voir tout l'enjeu qu'il y a là-dedans. Que ce que tu es, c'est quelque chose que tu t'es raconté pour pouvoir rester dans ta zone de confort. Et cette zone de confort, c'est justement l'emprisonnement de l'esprit dans ce monde qui te propose tout ce que tu dois avoir pour être bien. Mais ce bien-être est éphémère. Donc tu as des moments d'euphorie, des contentements immédiats. Mais tout s'effondre, inexorablement, tout s'effondre. Il n'y a rien qui tient la route. Tu peux savoir, parce que ta vie, elle est cela. Nous avons tous vécu dans ce cheminement. Et tous, on n'est pas prêt à voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est toujours en train d'accuser quelqu'un. On est toujours en train de trouver une réponse ailleurs qu'en soi. La réponse, elle est là. C'est quand tu réalises qu'est-ce qui se passe en soi. Quand tu réalises que tu te fais berner par toute une histoire que tu t'es racontée, parce que tu veux garder tes privilèges, parce que tu veux garder tout ce que tu as trouvé qui te console. Et c'est ça la vie qu'on a. La vie, c'est une consolation. Parce qu'on se fait briser par la vie. On se fait attaquer par la réalité. Donc c'est une consolation que tu as. Tu t'es fait une vie de consolation. Donc tu te donnes une vie. Tu te donnes de croire que tu es dans une position où tu es en sécurité. Tu sais que c'est pas vrai. Au fond de toi, tu sais. Mais c'est tellement crucial pour chacun d'entre nous, parce qu'il y a une démarche audacieuse à faire, c'est d'abandonner le mensonge, d'abandonner tout ce qui t'a réconforté toute ta vie, d'abandonner tout ce que tu peux croire être vrai, d'abandonner la fausseté que tu t'es donné d'être depuis tout ce temps. Et intégrer à la réalité que tu es.
Cette réalité n'est pas faussée. Elle ne ment pas. Elle ne juge pas. Elle ne condamne pas. Elle est l'ordre. Et à ce moment-là, ta vie est autre chose. Et en fait, quand tu cesses de faire tout ça, tu cesses de donner de l'eau au moulin d'une société qui continue à faire les choses par intérêt. Et toutes choses qui sont faites par intérêt créent la division, créent des conflits. Parce que chacun veut regarder midi à sa porte et personne n'est jamais d'accord avec l'autre. Donc si tu n'as plus d'intérêt pour rien parce que tu as vu que c'était éphémère, que tout ça, c'était pas vrai, alors tu changes la donne, tu changes ta vie. Et si ta vie change, alors ta relation change. Tu ne regardes plus l'autre comme avant. Tu veux rien, tu n'attends rien. Tu acceptes que c'est comme ça. Et tu l'accueilles. Nous en sommes là. Si on veut se débarrasser de cette vie qui nous fait souffrir, il n'y a pas d'autre voie que d'abandonner ce qui nous fait souffrir. Et ce qui nous fait souffrir, c'est nous-mêmes. C'est parce qu'on s'est donné d'être ce qu'on n'est pas. Donc le pire ennemi sur la planète, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu attends. Pire ennemi, c'est ça. Alors est-ce que tu peux vivre sans rien attendre? En étant libre, 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 libre de tout ce qui peut être demandé pour que tu puisses être honoré et mis sur un piédestal. Parce que tout ça, c'est l'ego. C'est pas toi. C'est une entité qui a pris place à ta place. Ce que tu es a un substitut de toi-même. En fait, tu te montres à travers une apparence. Et l'apparence, elle est fausse. Seul ce que tu es est vrai. Tu vois, tu as sorti de tout ce traquenard dans lequel tu étais, de cette nonchalante vie que tu répètes tout le temps, tu as réalisé que tout ça c'est faux, et aujourd'hui te voilà face à toi-même. Est-ce que tu acceptes d'être face à toi-même? Et de découvrir tout l'enjeu qu'il y a. Parce que toute ta vie commence là, maintenant, quand tu as découvert tout l'enjeu qu'il y a dans la cachotterie de ce qui est réel.